poignée en chrome. On aura le poignée en chrome, hasard du calendrier, on a la photo là-bas. Elle a les mêmes jantes. Ah non, elle a des jantes différentes que la nôtre. Donc une 5 portes qui est plutôt super propre avec les mêmes rétros. Elle a les Komodo qui sont un poil. Alors ce qui est marrant, c'est pourquoi ils sont noirs les. Alors, regarde, t'as pas l'effet de recul sur celle-là. Alors on a découvert ce petit coin là. Pourtant on se balade. Hein. Un petit chemin. Alors on est venu à pied pour changer. Et ah bah non. Non, non, en fait, je vous ai menti. On est venu en Fuego. Et a priori, c'est un site géologique. Alors je connais pas. Mais on va aller voir ça. On va aller se balader. Voilà, c'est le site géologique de la butte du puits. On fait de l'archéologie. Ouais, personne en plus. Au-delà de la Fuego. On a une mine ici. Un petit char, un petit wagonnet. Et donc, les Saints abritent une des toutes premières réserves naturelles géologiques de France, instaurée en 1989. Aménagement permettent les affleurements de type stratothéorite. Non, stratotype, stampien, intégré en 2011 à la réserve naturelle. Bon, ça sent la petite balade. Bonne visite, il y a marqué. Alors, j'ai aucune idée de. Ah, il y a 13 sites. Bon, alors là, je suis en train de me dire que, en fait, on va falloir qu'on fasse quelques balades en Fuego et en R5 peut-être. Alors, je sais pas dans lequel on est. Il y a Carrière du Mississippi aussi. Là, on est où là? Au Vert Saint-Georges, non? Là, on est sur le site de la carrière des Sablons, Villeneuve-sur-Auvers, plus la carrière du puits 5 et 6. 5 et 6. Ah oui, bah donc on est 6, 7, 8. Les Monceaux et 8 carrières du Mississippi. On doit être là. Là. Et c'est bizarre comment ça s'appelle ici, là. Alors, attends, le site géologique de la butte. Ouais, donc on est commune de Auvers. Et là, ils nous disent carrière de la butte du puits. Bon. Du coup, on ne sait pas trop. Mais peut-être que. Peut-être qu'on va en profiter. Je pense que les mecs, ils vont sortir de leur petite balade où il y en a deux et qui vont tomber nez à nez avec une Renault Fuego. Allez. On va aller par là. Et on va en profiter. Non, on s'est garé là avec la Fuego. Et on se retrouve dans un coin qui est assez dingo en fait. Et hop. Quand on trouve que, je sais pas, je. Oui, oui, nous sommes en Île-de-France, dans l'Essonne. Et non pas quelque part dans le Vercors. On poursuit la visite. Si, une seconde.
Non, je me suis trompé. Hop.